Bon, je me présente, Mustapha Djerad, du restaurant L'Algéria. On est là aujourd'hui pour la remise du diplôme de participation par l'ambassadeur de France à propos du concours de la gastronomie française Goût de France qui s'est déroulé dans les 5 continents. Et puis le restaurant L'Algéria fait partie de ces restaurants. Donc non, on est très honoré par la présence de la délégation de l'ambassade. Et puis c'est notre deuxième participation au Goût de France consécutive dans sa troisième édition. Et espérons bien que ça continuera et puis de participer à d'autres événements, comme ces événements et d'honorer la wilaya de Tizi Ouzou. C'est un grand honneur aussi pour la wilaya et de continuer pour nous de percer encore dans la gastronomie française. Et puis on espère bien que la gastronomie algérienne aussi, elle sera récompensée dans d'autres pays, elle sera des plats revisités dans d'autres pays comme on fait avec la gastronomie française qui est revisitée dans le monde. J'espère bien que notre gastronomie algérienne qui est très riche sera revisitée aussi dans d'autres pays. M'entendez ? J'ai quelques scrupules à prendre le micro de monsieur qui n'est pas une aussi belle voix, mais je tenais vraiment très très chaleureusement et très sincèrement au nom de l'ambassadeur de France Bernard Rémier, que vous connaissez et qui est venu à Tizi Ouzou, vous remercier d'abord vraiment de façon très appuyée pour avoir participé à cette opération internationale qui est l'opération Goût de France, qui avait lieu ce soir ici grâce à vous et grâce notamment au restaurant L'Algéria voilà. Pour la deuxième fois, puisque vous aviez déjà l'an dernier fait rayonner la cuisine française ici à Tizi Ouzou de façon magnifique. Et c'est une opération qui a lieu dans 3000 établissements dans le monde entier, dans les ambassades de France, dans les instituts français, dans des restaurants de par le monde, et le même soir. C'est un symbole de la gastronomie française, c'est un symbole de notre pays, mais c'est un beau symbole parce que c'est un symbole qui se partage, et c'est un symbole qu'on aime transmettre à tous nos amis, et je crois qu'ici vous l'avez magnifiquement interprété avec des assiettes splendides, avec des produits de la région, mais avec une inspiration française et une qualité et qui sont la magie de ces relations franco-algériennes. Et donc vous êtes, c'est ce soir vous, les ambassadeurs et les porteurs de cette relation franco-algérienne. Donc
Un très grand merci de la part de l'ambassade de France, de l'ambassadeur. C'est aussi cet endroit, ce très très bel établissement d'Algérie, un hommage en soi au goût français avec cette décoration inspirée du Louvre, me dit-on. Et donc c'est un petit morceau de goût français, de goût de France, ici à Tizi Ouzou, en Algérie. Alors maintenant, je voulais, comme l'an dernier, vous remettre ce diplôme, comme tous les participants, les 3000 participants dans le monde et les 6 restaurants qui participent à Alger, à Tizi Ouzou, à Oran, à Constantine, à Dabat, à cette opération, et qui est le symbole de cette qualité, de cette volonté de faire vivre la convivialité, l'hospitalité qui n'est pas un vain mot en Kabylie. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur de cette splendide soirée que vous nous avez offerte à toutes et à tous. Merci, et je crois qu'on peut les applaudir. Alors, je vous remets ce certificat de participation, et j'espère qu'il va être suivi par de nombreux autres sur les murs de cette salle. La photo de souvenir, c'est la photo. S'il vous plaît. Et vous venez aussi. Hein. D'accord. Voilà. On va faire une photo de famille. Exactement. Pour la postérité, hein, merci. Exactement. Le deuxième, comme ça, s'il vous plaît. Un petit sourire. C'est pour vous. Voilà. Elle marque le passage au restaurant algérien. Ah oui, je vois voilà. Ça. Exactement, la Kabylie, les beaux costumes. Alors là, voilà. Ça. Avec de beaux souvenirs. Hein. Et c'est l'amitié algéro-française qui s'exprime. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est, non, c'est vrai. Voilà. Un beau souvenir de cet endroit. Il y a deux autres. Donc, herbe. Vous pouvez lui remettre dès demain. Voilà, et un autre, donc, c'est chef pour de cabinet. Chef de cabinet, cher Marion. Et votre voilà. Première fan. Exactement. Ben, je l'admire beaucoup. C'est superbe. Ça nous touche énormément. Ça fait très plaisir. Et puis. Enfin, c'était un petit geste. Voilà, hein, c'est un grand geste. Et qui nous touche beaucoup. Et puis c'est un beau travail avec la pierre, le bois, les éléments. Exactement. C'est très très beau. Voilà. Je le remonte, on a beaucoup de chance. Voilà. Dans cette belle grotte. Ah oui. Ah, merci beaucoup. Voilà. Et encore bravo à l'Algérie. Merci. Voilà. Les éleveurs de champions là. Mais je vais en parler avec vous là. Le Alain à Fleulou, c'est le sponsor. Hein. Ah voilà, exactement. Monsieur Thierry Pierrot, c'est ça, comme ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette opération qui a été lancée depuis 2015 et quel est son objectif et quels sont les critères pour choisir les meilleurs restaurants ou bien le meilleur représentant de la gastronomie française ici en Algérie? Alors effectivement, cette opération que nous célébrions ce soir au restaurant L'Algéria de Tizi Ouzou a été lancée en 2015 par le ministre Laurent Fabius, qui avait pour objectif de faire rayonner la cuisine française, la gastronomie française, qui est sans doute ce qui est le produit de la France le mieux partagé et le mieux apprécié dans le monde. Et c'est un produit dont il n'est pas nécessaire d'être français pour savoir le faire vivre. Et ce soir, on en a eu un très bon exemple avec un chef extraordinaire qui nous a servi une cuisine
un dîner français, mais avec aussi les inspirations et les goûts de la région, de Tizi Ouzou. Et donc cette opération qui avait lieu ici à l'Algéria pour la deuxième année consécutive et qui j'espère va se prolonger, c'est aussi un moment de convivialité, de partage. Et je crois que c'est aussi l'esprit de la gastronomie française qui est d'apprécier des belles choses et en se rencontrant et en se découvrant. Très bien. Si on parle de tourisme, est-ce que peut servir cette opération le tourisme soit en Algérie ou bien le changement entre l'Algérie et la France ? Mais je crois qu'avoir des établissements de qualité, comme c'est le cas ici à Tizi Ouzou, ouverts sur une cuisine du monde, c'est toujours un plus pour une région aussi belle que celle-ci qui accueille des touristes. Et je crois que des touristes seront heureux d'entrer dans des établissements non seulement avec une si belle table, mais je dirais avec un décor assez impressionnant, inspiré, m'a-t-on dit, du Louvre. Et voilà, donc on voyage un petit peu en restant autour de sa table ici. C'est un vrai plaisir. Très bien, si on parle de cette opération, est-ce qu'il va se compter, l'opération va se continuer, il y aura des autres restaurants qui auront de la chance d'être à la place de l'Algérie? Bien sûr, c'est une opération qui, nous l'espérons, va continuer de longues années, parce que la gastronomie française va elle-même continuer de longues années, pour notre plus grand plaisir. Cette année, il y avait dans le monde entier 3000 tables qui participaient à l'opération Goût de France, dont celle de l'Algérie ici, et plus particulièrement en Algérie. 6 restaurants avaient été sélectionnés à Alger, à Tizi Ouzou, mais également des événements gastronomiques organisés par les instituts culturels français, les instituts de France à Tlemcen, mais également à Annaba et Constantine et Oran. Donc voilà, c'est une belle opération dans plusieurs villes du monde, dans plusieurs villes d'Algérie, et qui a vocation à continuer. Plus gros. Voilà. Le géomètre. Ouais.